Hello! Aujourd'hui, on est le 5 juillet. Vous m'avez tellement suivi dans toutes mes épreuves pour le bac, tout ça, que je me suis dit que j'étais obligé de vous faire une vidéo sur le jour des résultats. Je vais aller prendre une petite douche, ensuite je fonce, il y a mon père qui vient me chercher, c'est lui qui m'accompagne au lycée pour récupérer mes résultats du bac, je stresse de ouf, On va se préparer vite, let's go. Bon, il est 9h, il y a mon père qui m'attend, il faut que j'y aille, autant vous dire que je suis stressé. Je stresse. Bon, ça commence à être grave, je commence à avoir envie de vomir, mais c'est pas grave. On va y aller, dans 20 minutes c'est les résultats, je suis stressé, hein. Je suis stressé. Je suis chez moi, je n'ai pas continué à vous filmer après quand j'ai récupéré mes résultats, j'étais un petit peu énervé. J'ai eu 9,2, ça veut dire que je suis au rattrapage. J'ai encore une chance demain à 7h30 de décrocher mon bac. J'espère que ça va le faire. Je vais aller au sport là pour un petit peu décompresser, voilà, un petit peu me vider la tête avant de me remettre un peu dans les révisions pour être prêt pour demain. Je vais vous montrer mes notes, je vais vous montrer ma petite feuille pour que vous voyez ce que j'ai eu. Donc voilà, si vous voulez voir toutes mes notes, elles sont là. Et du coup, bah j'ai eu 9,2. Du coup, j'ai quand même pris la décision de ne pas arrêter ce vlog. Je vais aller à la salle. Il va continuer jusqu'à demain. Du coup, ça sera un vlog sur 2 jours avec le rattrapage. Et comme ça, vous saurez si oui ou non, j'ai réussi à avoir mon bac avec le rattrapage. Sur ce, je vais aller à la salle. On va tout donner. Let's go. J'ai fini ma séance, je suis rentré, je me suis redouché, je me suis un petit peu détendu tranquille, là il est déjà 16h, je me fais à manger, ensuite révision tout cet après-midi pour préparer demain. Il est 19h, j'ai pas trop vlogué aujourd'hui parce que j'étais un petit peu dégoûté de la nouvelle de ce matin, mais bon, ça m'a permis de passer ma journée à réviser. Je tenais à vous dire merci pour tous vos messages, tous les tweets, tous les snaps, tout le soutien que vous m'avez donné, franchement ça m'a aidé aujourd'hui à réviser, à pas lâcher et à me dire que demain c'est le rattrapage et que je peux décrocher mon bac demain. En tout cas pour ma part, je m'y attendais de ne pas avoir le bac du premier coup, même de ne pas l'avoir. J'ai passé tellement de temps sur cette chaîne à la muscu que j'ai perdu tout le temps qui était consacré aux études au final. J'espère que vous m'avez encore envoyé toutes vos pensées pour demain matin. Moi je croise fort les doigts, j'espère que ça... Je croise fort les doigts, j'ai croisé les doigts comme ça. Je croise les doigts comme ça moi, c'est comme ça qu'on croise les doigts. Non, c'est comme ça, pas comme ça. Moi j'ai croisé les doigts comme ça. Je croise fort les doigts pour demain. Bon, il est 6h, c'est le rattrapage. Je suis éclaté, mais on va y aller. On va tout donner, comme d'habitude. On va essayer de déchirer ce rattrapage. Je viens de finir de me préparer à manger, comme hier. Un 5 œufs, un bol de fromage blanc avec flocons d'avoine.
Il est 16h30, je vais partir de chez moi. Mon rattrapage est à Aubervilliers. Je sais pas si vous avez vu sur Citymapper. Aubervilliers, j'ai une heure de trajet, c'est vraiment la galère. Les rattrapages commencent à 7h30. Je fonce, on se retrouve là-bas. Il est 7h30, je viens d'arriver devant le lycée où je dois passer mon rattrapage. Je vous ai pas dit, je crois, les deux épreuves que j'ai prises. Donc j'ai pris maths et éco. J'en ai prêt pour 2 heures à passer les deux épreuves. Quand je sors, je vous le dis, à tout de suite. Je viens de sortir de l'épreuve d'éco, j'ai commencé à 8h, j'ai fini à 9h, comme je vous ai montré sur le petit papier juste avant. Là j'ai une heure de pause jusqu'à 10h pour les maths, ensuite à 11h ça sera fini. Bon voilà comment est-ce que je vais aller à mon épreuve de maths. Je pense que je vais réussir à séduire le correcteur ou la correctrice comme ça, vous pensez pas? Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Je viens d'arriver chez moi, j'ai plus de batterie, j'ai pas pu vous filmer dès que je suis sorti de l'épreuve de maths. Mais maintenant je peux vous filmer, ça s'est super super bien passé les maths, c'était génial. Résultat à 18h, jusque là je vais rester, je vais monter un petit peu cette vidéo. Je vais un peu stresser quand même jusqu'à 18h. À 18h ensuite je vais retourner jusqu'à Aubervilliers pour récupérer les résultats. Mais c'est pas grave, c'est le bac, c'est important, alors on va y aller. Bitch, deb. Look at my deb. Look at my deb. Look at my deb. Hello, it's me. Paraît orange, il y a tellement de soleil. Bref, il est 17h30, je vais au lycée, c'est un pote à moi qui nous emmène en voiture. Je vais récupérer les résultats pour savoir si j'ai eu mon bac ou pas. Je suis stressé, on y va, j'espère que je vais l'avoir. Bon, je suis devant le lycée, je vais aller voir si je l'ai. Je stresse sa mère. C'est chaud ma naine. La famille, ça s'appelle le bac, on l'a niqué. Non, franchement, je suis content, je dois remercier toute ma famille, tous mes amis qui m'ont soutenu jusque là. Non, bref, j'ai eu mon bac. J'espère que vous avez kiffé la petite vidéo, vous êtes content, j'ai le bac d'un coup. Oh, je suis toujours illuminé, t'as vu ou pas, la lumière reste sur moi. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. Moi, j'ai mon bac, je suis content, je vais vous laisser là. Pensez à mettre un like, à commenter sur tous les réseaux sociaux. Je vous aime, restez branchés, entrez-vous bien. If you ready, let's go. If you ready, let's go.